Alors, ouais, 15h05. Oh, il doit être là. Attention, 9 bravo Charlie, 5-5-5 pour 14 km, 33-01. Et moi, je suis pas prêt. Oh, il s'est fait opérer là. Non. Non, il est décalé. Ouh, c'est très QRP. Ou alors c'est toi qui as une petite voix. Les 73-51, Gilles, comment vas-tu? Eh bien, en tout cas, pour le Brésil, c'est pas difficile de passer, hein, vu comment il m'arrive. Et il est casse-pompe, l'autre, à parler à chaque fois en même temps que tu parles, toi. Ah oui, non, mais systématiquement, dès que tu prends le micro, il prend le micro avec. Ah. À propos de chaleur, 19 degrés là aujourd'hui chez moi. D'ailleurs, je viens de m'occuper de la moto là. Est-ce que je risque, je sais pas encore à la minute même, mais je risque de partir bosser avec demain soir. On ne sait jamais. Alors j'ai tout fait ce que j'avais à faire dessus là, à l'instant. Ouais, 100% QSL, et il est cassé, bon, non, j'ai déjà dit. Eh bien, nous, oui, c'est un grand beau soleil aussi, soleil d'été. Et comme... attends, qu'est-ce que... je suis en train de faire un truc, non. Alors là, j'ai un web SDR, le web SDR d'Ottawa, moi, au niveau de l'écran, là, ça ne fait pas. Je lance l'autre en même temps. J'ouvre les grandes oreilles, là, de mon côté. Voilà. Ok. Voilà, comme ça au moins, je verrai mieux ce qu'on dit. Ouais, là, là, demain soir, j'ai Fabienne là qui doit amener ce soir. Attends, c'est un peu fort ça. Qui doit amener ce soir la voiture au garage. Elle a des soucis dessus. Et du coup, elle va voler la mienne. Alors j'ai dû sortir l'antenne de 6 bits, ça, tac. Et j'en ai profité en même temps pour sortir la moto, regonfler les pneus, vu que je ne l'ai pas fait encore cette année, et regraisser la chaîne. Après le dernier nettoyage, je ne l'avais pas fait non plus. J'avais tout laissé en pause comme ça, donc là, je viens de lui faire la totale. Sauf la rubrique à nouveau, sauf la relustrer à nouveau, parce que bon, la CB ça passe avant pour moi. Ah ben non, aucun, zéro, nada, que chic. Non, non, ce matin j'étais trop occupé. Et là, j'arrive juste là de dehors, de m'occuper de la météo, n'importe quoi, de la moto. Bon, j'étais en écoute. Le matin, en général, vu comment il la propague, je suis plus en écoute du côté du 19, du côté des 40 canaux. Je suis davantage de ce côté-là. Et après, l'après-midi, je monte au premier étage, c'est-à-dire ici. C'est super, c'est super. Oui, est-ce que t'entends le permis, Rémi? Pascal, mon ami, c'est toi, toujours à l'écoute? Il serait là aussi.
Alors, autant le WebSDR de Montréal-Laval fonctionne très bien sur mon navigateur. Département 48 en mobile, Rémi, juste un petit moment, mon ami. 48 mobile, en avant pour 9 Bravo Charlie, 555 Gilles sur le Québec. Oui, c'est le département 46 ou 48, mon ami. C'est 448, hein? C'est Roméo Charlie 448. C'est noté. Je pense que je suis un peu décalé, moi, sur la séquence. On me dira si je me rattrape au prochain passage. 9 Bravo Charlie 555, ville sur le Québec, 73-51, la station 14. Je crois que là, il est bien là. Enfin, clarifier comme ça pour moi. Là, t'es parti à l'ouest, là. J'ai entendu gazouiller. Oh, d'accord. De retour. Ah, ça y est. J'arrive à voir correctement. Alors, je ne sais pas sur les autres navigateurs ce que ça donne. Monsieur Firefox, le WebSDR, le Kiwi SDR de Ottawa, je ne l'ai pas comme il faut à tous les coups. Alors que celui-là de Montréal-Laval aussi. Curieux quand même. Hop. On l'entend des deux côtés là.
et du très bon poste aussi, hein. Très bon poste aussi. J'en ai un ici, là, dans une boîte, là, pour un tirage, là, comment on vous appelez un tirage, c'est où, là, pour Carla, Caparla, je sais pas le nom que vous donnez, quand on fait un tirage, il est... J'ai pas compris. Non, j'ai ramassé des matériels, une antenne combine, la Wilson Mill avec le poste plus deux, le président. Et puis, avec des microphones artificiels. Et puis, ils avaient des billets ici, des billets, là, un soir, là, comment on fait ça, sur la 14, là, ils avaient des billets, là, pour récupérer les sous de, des appareils, et puis faire une rencontre, là, une activité, et puis faire un tirage de sortir un billet pour trouver les arrières. Ah, compris. La tombola. Alors là, Gene, je veux pas être moqueur, mais bon, là, tu mérites d'être dans les livres de records. La tombola qui dure le plus longtemps possible au monde. Si, je suis moqueur. La propagation
Oui, regardez dans sa précédente vidéo. Et puis en plus chez eux, au niveau du calendrier, ils ont des dates où ils ne peuvent pas prendre la moto, si je ne me trompe pas. Ou alors c'est du moment qu'il y a de la neige, paf, c'est interdit. Je sais plus. Comment ça passe? Petite visite ailleurs, un peu de surf.
toujours plus de propagation, je vois, du côté des 40 canons. Oh, un retour bip. Ah, quand on est trop loin d'une grande ville. Alors. Ça vient, ça vient, ça vient. Non mais c'est quoi cette blague? J'ai rien fait. J'ai même pas tout, j'ai pas touché le j'ai pas eu le temps d'aller toucher l'antenne. Oh, je crois que j'ai compris. Là d'accord, c'est normal. J'ai compris. Alors, mon point central, je l'ai pris à 40 km/h. En essayant de ne pas faire de conneries. Voilà, c'est bon. Le micro préampli. Préampli écho. Alors, sans n'a rien avoir fait. Ah, bon, là d'accord, c'est normal. 1, 2, 1, 2. 1, 2, oh, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, oh, 1, 2, 3, 1, 2, ouais, on l'entend à peine. Voilà comment j'ai réglé mon écho. Écho, écho. Bon, au bout du fil, je sais même pas s'il y en a encore un, d'ailleurs. Mais bon, on s'en fout, c'est pas grave. Ok. Bon, eh bien, je crois que tout le monde a compris. Sans rien faire, mon problème de taux s'est réglé tout seul. Eh bien, tout simplement parce que je devais avoir de l'eau dans l'antenne. Voilà, voilà. Parce que quand on répare pas un truc, ça se répare pas par magie. Là, il n'y a plus rien. Oui, bon. Voilà. Là, 1, 2, 1, 2, 3. Zut. 1, 2. 1, 2, 3, ok. Aïe, mes oreilles. 1, 2, 3, ok. Bon, bah d'accord. Ça, c'est cool, ça. Thank you.
Merci beaucoup, Jean-Claude. Le 73-51. À toutes les amis qui ont une agence familiale, mon ami. Un petit topo ici sur le WX aujourd'hui sur le Québec. 3 degrés. Oh, pardon, on allait le dire en anglais. 3 degrés sur le Québec avec une tempête de ciel gris ici, Jean-Claude. Tous les bons chiffres de l'ensemble du groupe de Canada, mon ami. 19. Toujours 19, non? Dandy 33. Pas facile à entendre. Alors, Rirou, à toi le micro.
Merci pour le retour de micro. Les bandes 73-51 aux stations qui sont arrivées, que je devine juste là derrière dans le lointain. Et Gilles, au niveau modulation, là, est-ce que tu m'entends mieux là maintenant? Je te pose la question parce que là, j'ai remis le micro préampli parce que je viens de me rendre compte que mon problème de tos que j'avais là, qui était assez important, s'est réglé tout seul. Alors je crois que j'ai compris le problème, hein. J'ai dû avoir de l'eau là, de certainement dans l'antenne, et bon bah avec le soleil se faisant bien comme il faut, l'eau a dû s'évaporer et tout ça, et ça a dû me sécher l'antenne à l'intérieur, et là pour le coup j'ai plus aucun problème de tos. J'ai testé en bas, en haut, je suis allé au sous-sol, je suis monté au premier étage, au second étage même. Plus de tos du tout, eh ben c'est nickel ça, c'est une affaire qui marche. Donc là du coup là j'ai rebranché mon micro préampli puisque ça faisait que accentuer le problème quand je mettais ce micro là. Donc là je pense que tu devrais mieux m'entendre. Là j'ai pas pris le temps mais je devrais pouvoir rebrancher le reste avec. Émis le 10 et 5 sur 5, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne comme auparavant, le QSL. 5-9, waouh! Ah oui, d'accord. Bon, je suis avec la puissance du poste, hein, de toute façon. Hein. Là, j'ai. Enfin bon, la puissance du poste affiche et gradue jusqu'à 100 watts, mais en réalité, bon, il faut toujours en enlever comme ça, là, quand on parle. Donc là, je dois être à peu près à 80 watts. Ouais, 75, 80 watts. 80 watts, ouais. Je dois être à 80 watts là, pas plus. Ouais, 52.5, garde les passages. Ok, c'est bon ça. Eh bien, tu vois, du coup, j'aurais pas besoin de monter sur le toit pour régler mon problème. Ou alors, un jour, quand j'aurai enfin le temps. Autrement dit, un jour sans propague, sans rien du tout. Ah, chie. Je t'ai entendu dans la vidéo justement. Non, j'ai vu le message sur YouTube. Sur ta vidéo justement, j'ai vu le message, j'ai rigolé. Oui, je l'ai entendu, là, il est là notamment, ta mère Louis. Là. Il est où Louis? Ouais, c'est ça. Et tiens, je t'entends dans le web SDR de Montréal-Laval. Oui, QSL, QSL, mon micro à Louis, notre talent, la FTI. Je suis content. À toi, le micro. Toutes les permissions du monde que tu veux. Wow. C'est toi le chef, chef vénéré. T'envoies les 73 et 51, tous les bons chiffres. Samedi de 14 SPX, tout notre talent. Wow. Ok, merci. Tout ça retourné, amplifié avec la propague. Oui, est-ce que t'as entendu le retour de Rémi? Il est où? Pas là, il est derrière, mais c'est très très petit. La propagation est vraiment terrible aujourd'hui, hein? Oui, et puis en plus là, et là je le Brésil, je n'entends plus. C'est bon, c'est nickel, ou alors juste par moment. Mon problème de tos s'est réglé comme par magie. Attends, je remets quand même en position. Ouais, voilà. Ah oui, j'ai plus rien, j'ai un de tos, voilà, comme je l'avais réglé au départ. C'est nickel, ça marche, ça roule, c'est super, c'est génial. Je suis content, mais pas cocu. Non, pas cocu. Oh, c'est super. Est-ce que t'es revenu à la normale? Ah oui, ouais, tout est revenu à la normale. Hein.
C'est super. Bon, j'ai un petit retour dans le haut-parleur, mais bon, ça, tu l'as aussi un petit peu, hein. Mais bon, ça, c'est pas méchant, on s'y habitue, hein, c'est pas bien dérangeant. Au moins, on sait que le micro fonctionne. Ouais, tout est bien qui finit bien pour de très longs QSO. H24. Oh oui, H24. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Hein, tu sais ce qu'on dit? Si biste un jour, si biste toujours. 100% d'accord, 100% d'accord. Oh oui, monsieur, il est où? Tiens, justement, à propos de Tanan, il doit y avoir une histoire derrière ce mot. Que veut dire le mot Tanan exactement là de ton côté là sur le Québec? D'accord. Une grande gueule, tout le monde le sait bien. Alors, on disait que j'étais tanneur avec ma grande gueule, mais avec de l'humour, hein, tu vois. C'était pour m'agacer un peu. Et puis, ben là, on a sorti la fréquence 625 sur Météo. Et puis, y a-t-il des talents? Parce que nous, on ouvrait le poste le matin, puis le poste restait allumé 24 heures sur 24 pour moi. Alors, quand les gens passaient sur la fréquence, j'appelais pour les talents. Et puis, ben, c'est resté comme ça, le talent Jules du Québec. D'accord, donc Tanan, ça veut dire grande gueule en fin de compte. Ouais, j'entends une série de Roger Beat derrière. Ouais, hein, Gilles, du coup, j'ai pas bien compris. Tanan, ça veut dire grande gueule en fin de compte, c'est bien ça? Ouais, quelqu'un qui a une grande gueule, ça peut faire partie de Tanan aussi. Ça peut faire partie de Tanan, quelqu'un qui est chassineux, quelqu'un qui envoie beaucoup de farce, beaucoup de gros, il Tanan un peu. Mais c'est pas quelque chose de mal, hein, c'est quelque chose de bien. Ok, oui, non, mais je ne l'ai pas dit en mal non plus, hein, parce que j'ai aussi une grande gueule, hein, sinon je ne serais pas de la radio, hein, déjà pour commencer. Je ne suis pas comme certains qui disent après sur Facebook, j'entends personne, mais déjà eux, à quel moment ils prennent le micro? Ben, ils attendent que quelqu'un d'autre prenne le micro. Mais comme la majorité des gens attendent que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne le micro, du coup, personne ne prend le micro. Non, et un poste CBI, enfin, ou comme j'ai là devant les yeux, il y a un micro de branche dessus, c'est fait pour être utilisé le micro. Alors que on l'use jusqu'au bout le micro, on l'usera jusqu'au bout. Ok, oui. Ah oui. Non, mais si le talent. Franco-Belge, waouh! Bonjour mon ami 16, papa Lima, 38. Bon vieil ami, comment vas-tu aujourd'hui d'abord? Tout est bon, c'est pour le nouvel. Hop là! Il a touché le bouton.
Les 73-51 à la Belgique de 14 km 33-01 Sud-Ouest France. Merci, putain, je t'entends en direct, là, ce coup-ci, là, c'est super, c'est génial. Les 73-51 retournés. Retour de micro au maître de cérémonie. Merci, vas-y, retourne le micro à toi, Gilles. Oh, Gilles, t'es tombé de ta chaise? Ah, il est où? Ah non, puisqu'on entend ta grande gueule. Si j'ai les bruits bizarres, c'est que là, ça doit passer du côté du Québec. Alors, essaie. Ouais. Ça passe sur le Québec. Attention, Gilles, est-ce que tu es de retour? Il est peut-être parti en excursion ailleurs. Attention, 9 bravo Charlie, 555, 14 km, 3301, qui t'appelle? Attention le Québec, attention 2, bravo Charlie, 555 pour 14 km, 33-01 Rémi. Oui Gilles, t'es en train d'apprendre à nager ou quoi, vu les glouglous que j'ai entendus? Ouais.
Ok, ça marche. Je coupe la caméra de mon côté, je remets en charge. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Je fais le tour de la station. Toutes les stations sont derrière. Ok, ça marche. T'as raison, il y a des priorités. Eh oui. Ouais, toujours là. Bon, ça y est, la voiture est déchargée. Oui, qui est-elle. Oui, tout est parti là. Tout est monté dans la voiture. Et puis, ils sont décollés là pour Gatineau. Ok, donc t'as encore du monde à la maison alors? Non, ils sont partis, ils viennent de partir là. Ok, d'accord. Oui, qui est celle, toi, ma belle maman est arrivée jeudi avec sa femme, ma conjointe, mon ami avec elle, avec sa soeur d'atelier, sa soeur aussi. Et puis, le lendemain, le samedi, ils sont cousins. Et sa femme sont montées aussi. Et puis un autre couple d'amis là, à mon cousin. Alors on était neuf autour de la table réunis. Voilà, vache quand même. Donc t'as eu belle maman à la maison. Bon, ça va, tout s'est bien passé. T'en es sorti, t'es encore vivant. C'est pas très bon pour la couffaine qui est belle maman à la maison. Chie trois coups. Ok, je vais dire bonjour à Fabienne. Je reviens. Thank you.
vais retourner le micro. Je pense que Rémi n'a pas envie en bouche de passage. Oui, c'est vrai, c'est vraiment là, hein, c'est vraiment là, c'est le plus gros, quoi. Beaucoup de vous avez de la famille, hein, vu quoi, peut-être une dizaine de contacts ce matin, là, à venir à ce moment-là. Et puis, ben là, de la famille, de mon nouvel qui vient de partir pour Gatineau. Alors, là, ben, pour le reste de la propagation, ça va être plus bien au poste dans Noël, mon ami. Tant pour faire que je suis avec toi, mon ami. C'est ça que je disais tantôt parce que j'ai entendu plusieurs stations. Notre talent, Louis, FDF Tourisme, il est à 3,025, qui était très, très petit, très dur à ressortir. Beaucoup de stations, notre ami Claude aussi, FDF 590. Rémi. Mais nous, on va faire 4 heures pendant ce temps-là. Bon, je vais faire une coupure vidéo. Hein. On va faire comme les... Je vais faire 4 heures, je reviens. Breakover. Et puis bon, bientôt, et puis
Ah ça oui. Les 73-51 retournés, on dirait que t'es à côté de chez moi là. Ouais, les 73-51 retournés, 14 kilobytes, 33-01, Rémi. Ouais, ouais, non, mais si, si, là pour t'écouter, je t'écoute, hein. Je t'écoute aussi bien que Gilles, ou presque aussi bien. J'ai poussé le SDR d'un cran. On l'entendait de côté. C'est plus grand au loin de la ville de Montréal. Qui se lance dans le parc de la Je suis à côté du parc national de Honka et se situe dans les
Là, je l'entends direct, il est partout. Ouais, c'est bien ça. J'entends plus personne. Va faire pleurer Popol. Non mais dépêche-toi d'y aller parce que pour le coup tu vas tout lâcher sur le poste. Il est où? Il est où? Il est où? J'entends pas. Je suis toujours là. Bon, là, d'après ce que j'ai entendu, ça va mieux, là. Ça y est, et puis, hey, j'espère que t'as pas fait pipi par terre, quand même. Oh, d'accord. Hehehehe
Comme dirait l'autre, c'est dans la boîte. Ouais, ça fait le yo-yo, c'est vrai. Et pourtant, quand ça passe, je peux te dire que tu m'arrives comme une tonne de briques. Oh, ben alors là, par contre... Eh ben là, par contre, t'es parti planter les choux, parce que je t'entends plus, là. Ah oui, d'accord. Je croyais que pour le coup, là, je t'entendais plus. Hein. Je me suis dit, ça y est, il est parti planter les choux, je l'entends plus. Alors là, c'est devenu très QRP, là. Je sais pas quelle heure il est. Ouais, 17h10, quasiment. Ouais, là, c'est vraiment devenu très QRP, là. Oh, ça, c'est pour mieux revenir tout à l'heure. Ok. Alors à gauche, là, j'ai deux WebSDR dessus. Bon, j'ai mis un décalage dans le son. Ça fasse pas cacophonie. Bonjour à toutes les stations sans derrière la portion l'anti-appel. Oui, c'est lui. La température ici aujourd'hui, toujours 19 ici. Ah, un break. C'est dangereux.
le niveau 14 M, Mike Delta Extreme, pardon, 0-3-8, suivi, pardon, ici, nous, sur le Québec, 5 degrés aujourd'hui, 5 degrés, avec un ciel gris qui brille quand même, une très bonne température, hein, ça, il y a de la pluie, il y a de la neige, la fonte des neiges est là aujourd'hui, à 100%. C'est ça, mon ami. Là, il va faire une vidéo de 3 heures. Ah ouais, il est 11h15 chez lui. Ouais, c'est bien ça. Hein. C'est un vrai animateur, hein. Thank you.
Ah si, il passe en direct. Je l'ai entendu, en direct, je l'ai entendu également du côté du web SDR, je l'ai entendu de partout. Les 73-51 lui de 14 km 33-01 Rémi, Dandy 33 sur le sud-ouest France à côté de Saint-Émilion. Ok, merci pour le retour de micro. Ouais, c'était un petit peu compliqué de mon côté, mais bon, j'ai réussi à le sortir quand même. Voilà, donc de mon côté, là, je suis avec avec le Yazoo FT450AT. Voilà, j'ai remis le micro préampli dessus, là, du coup, puisque là, dernièrement, j'ai eu un souci d'auto, ce qui s'est réglé comme ça par magie. C'est super, c'est génial. Donc, pour pas trop brusquer la bestiole, justement, j'étais revenu sur le micro d'origine, mais bon, tout s'est réglé par magie. Et au niveau antenne, je suis sur antenne verticale uniquement, une Sigma Mantova 8, qui est pas très haute, hein, juste à 9 mètres du sol, c'est tout. Hein. Voilà pour les conditions de trafic, là, de mon côté. Ah, désolé, mais là, ce coup-ci, j'ai pas du tout eu Roger, j'ai pas du tout eu QSL, il y a de la surmodulation de partout, plus des bruits, là, sur la bande. Il y a de la vache folle, hachis trois coups. Il y a de toutes sortes de bruits, plus une autre station, là, qui parle en même temps, hein. Donc là, je suis désolé, je vais faire un retour de micro sur Gilles, parce que là, pour ma part, j'ai pas du tout eu Roger. Ok, merci, tout ça retourné à lui. Faire mal aujourd'hui.
Allez, personne à la commune du Sénat et pour sa radio. PSL. Ok, Laura, à bientôt, mon ami, Émile Piloté. Laura, à bientôt, mon ami. Et puis, c'est pour mon carrière, je peux la passer, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont derrière dans le CSO. Je vous aime pas, les amis, hein, de rentrer dans le CSO. PSP, ça existe pour tout le monde. Ok, Laura, encore pour la finale, et puis, je vais faire tourner sur le côté. On fait tourner sur le côté d'Émile. Si on entend, mais bon. Ah, il y a de tout, là. À bientôt, mon ami. À bientôt, dans les meilleures conditions, mon ami. Tu as toutes les bons chiffres. À bientôt, de l'animateur là. Là il se fait plaisir. Yeah.
Ah, la pompage a tourné. Juste un peu. Oui, 14 kilomètres, 36-07, ou 36-07, en avant de côté Daniel. Ah, quel côté? Là, juste à peine. Ouais. Je viens d'entendre Siri, 14 km 36-07. Siri, mon ami, niveau 73-51. Et à Siri, il y a toutes les stations qui sont derrière, qui sont patients d'attendre un tour pour la poursuite. Depuis toujours, mon ami. Siri, ça retourne le micro, mon ami. Tous mes amis qui attendent un retour. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'eau, on peut pas le faire.
Toulouse, je l'entends, oui. Avec le décalage horaire et tout ce qui s'ensuit. Il y a bien une journée d'écart. Hein. Au mieux. Ouais, une journée d'écart. Pour 5-0-5.
Il va bien dormir ce soir. Injecté comme ça.
une bonne poignée de main, 73-51. Tout le plaisir pour moi. Et puis, amitié au cœur familial, mon ami. De l'ensemble du groupe des talents. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? C'est une cacophonie, ouais. Il m'arrive en direct.
fidèle à cette fréquence. Les talents, hein, c'est comme ça. Quand on est talent un jour, ben non, on est talent toujours. Ah, la pub! Ah oui, non, mais c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, tu vois. Cette fréquence-là est pas à moi, elle est pas à toi, elle n'appartient à personne. Mais elle appartient à ceux qui ont du plaisir à faire des pieds sous sur cette fréquence. Même si des jours c'est pas facile, on fait avec et puis d'attendre toutes les stations, presque tous les jours les mêmes stations, des fois des nouvelles, ben c'est devenu un peu comme un journaliste familier. Pour moi, c'est comme une famille. La famille du radio, là, sur les talents, c'est une famille. Tu le sais, là, Bernard? Ça marche bien. Ça marche bien. Oui, je l'entends. Des 73-51 à lui, 14 km, 33-01 Rémi, Dandy 33 à côté de Saint-Émilion, Sud-Ouest France, département de la Gironde, où il fait bon vivre, puisque là, il y a 18 degrés. Et il est 17h, bientôt 18h, ouais, 17h50 passé là, ici. Et c'est toujours un grand beau soleil. Dans le fond. Je te rajoute un petit peu droit-ci pour ton côté, Corélie. Je l'entends très QRP hein, de mon côté. Par contre, je l'entends en direct, je l'entends via le web SDR Montréal, Ottawa, mais en QRP. T'as-tu noté, Bernard, Rémi, tout ça?
Ouais, je l'ai entendu très très QRP, hein, mais j'ai entendu quand même, il n'y a pas de problème, et tout ça retourné. Oui, tu parlais de ton forum qui suit, et puis tu t'appelles dans le dernier site. Non, il n'y a pas longtemps, oui, excuse-moi vraiment, il n'y a pas longtemps, là, tu regardes la vidéo encore, du Pérou, là, de plusieurs années, si je ne me trompe, oui, il n'y a pas longtemps. Mais je n'écoute toujours la vidéo, avec une grande joie aussi, qui suit beaucoup, là, sur le journal du forum aussi, là, tu es seul? Ah, je croyais pas que c'était à moi que tu répondais. Désolé. Tu peux me revenir, s'il te plaît? Tu peux me répéter, s'il te plaît? Ok, je l'ai à peine deviné dans le lointain. Les 73-51 retournés, 14 kilomètres, 33-01. Alors Gilles, le 33 c'est pour le département et le 01 c'est parce que, ben voilà, c'est pour moi sur la Gironde. Mon ami.
Ben, tu vois, on disait ça tantôt, là, je ne sais pas avec quelle station, je ne sais pas si c'est José ou si c'est Béric, la Sibéric, ben oui. On disait ça tantôt que la fréquence est peut-être devenue un peu plus occupée que dans le dernier cycle, Philippe. On ne sait pas si on se trompe ou si la propagation qui fait des meilleures ouvertures, mais on dirait qu'ici, mon nouveau flairon, depuis qu'on est déménagé ici, à côté du parc national de Oka, on dirait que je suis dans un aussi bon corridor que j'étais sur Gatineau, Philippe Pleton. Il y a un perturbateur. Ah. Ça passe mes QRP. C'est quand je crois que ça passe plus que si. Mais t'as pas été excusé.
Il est où? Il est où? Oui, donne-moi une petite minute, Rémi, je reviens tout de suite, là. Quelque chose à boire de froid. Pour refroidir le moteur un peu. Comment il dit, Laurent? Oui, tu es seul? Et puis aujourd'hui, je veux faire une tentative de rester à côté du poste quand la propagation fermera la porte. Et puis peut-être sur le couple pour nous qui va être un peu vers ça. Je vais être allé là. J'aimerais un des collègues des ouvertures. J'entends le bruit des stations du les États-Unis, il a fait de le dire en anglais, mais il y a des difficultés, ça prend quelque chose à voir de soi. À bientôt, Bernard, toujours je veux mon ami. Eh bien, ça durait quand même pas mal. Quand on voit l'heure. Comment c'est parti là, je crois qu'on va arrêter la vidéo là. Puis si ça continue, ça sera hors vidéo. Hey, je croyais que la propague était partie de ton côté, puisque là c'était parti sur les îles. Oui, je disais que je pense, j'ai cru un instant que la propague était partie du côté Québec, puisqu'ici en France, il est quand même 18h15, donc c'est quand même pas mal, hein, on attaque la soirée, et effectivement, ça rejoint ce que tu as eu hier, où c'est pareil, hein, c'est allé assez tard, comme ça, là, au niveau propague. Et là, tu vois, là, j'étais un peu surpris. J'avais coupé la vidéo, parce que je me suis dit, bon, bah là, ça y est, c'est fini. Pour le coup, j'ai renclenché. Oui, parce que là c'est du 57 hein, auquel tu m'es arrivé. Hein. Oh la vache.
Ah ben là tu m'étonnes, c'est clair, oui. C'est ouais, là je te comprends. Ben, tu m'étonnes. Non mais hé, hey, Gilles, t'es en plein terrain, en terrain d'eau, on va dire. T'as de l'eau de partout et pas loin. Donc le sous-sol, on devine comment il est. Le sous-sol, il est forcément humide. Il doit y avoir des sources, des ceci, des cela, des plein de trucs qui te passent au niveau en souterrain. Et tout ça, c'est bon justement pour les ondes. Bien au contraire. Ah non, mais c'est sûr que là, t'as pas meilleur QTH que là, hein. Ah oui, tiens, petite question. Est-ce que parmi tes voisins, t'as vu des puits, par exemple? Comment te dit la question? Excuse-moi, t'as pas rempli à 100%. C'est bien un peu du lot, hein? Il y a comme la tempête est dans les ondes. Ouais, je te demandais si parmi tes voisins, il y a des puits, des trous dans le sol, des puits pour l'eau. Ah, je sais pas comment ça s'appelle en québécois, mais tu sais, pour aller chercher l'eau dans le sol, des puits pour aller chercher l'eau dans le sol. Ok, ouais, je te demandais si parmi les voisins que tu as, il y en a qui ont des puits dans le sol pour aller chercher l'eau sous terre. Ah, ben ici, on n'a pas de problème avec de l'eau, hein. Tu vois, moi, et voilà. Il est quand même à 14, comment qu'on dit 14 pieds en mètre, 4 mètres et demi. Sur le sol, avec une bonne mise à terre en top ici, en cuivre, puis dans l'eau ici, on n'a pas de problème avec de l'eau, mais si ça fond trop vite, c'est bien bon que ça fonctionne pour la radio de l'eau, mais ils vont en avoir trop. Eh bien voilà, ça confirme bien ce que je pensais. Voilà, donc tu as un super plan de sol, bien humide, bien comme il faut et tout ça. Et effectivement, là, t'as pas intérêt à déménager de là où tu es, c'est sûr et certain. Alors ici, on va rester ici jusqu'à la retraite. Jusqu'à la retraite, même après. Mon ami. Et puis pour m'entendre sur la radio, s'il y a des gens qui trouvent ça là, ils n'ont rien vu encore. Oh, dommage. Et même après la retraite, tu pourrais y rester, hein. Oh oui, monsieur. Oui, c'est oui. Moi, je suis sûr, moi, je suis sûr qu'il va avoir vieilli, va avoir les troubles. Inquiète-toi, ils vont rester. Oh oui, là t'as vraiment intérêt, vu le sol que tu as, t'as vraiment intérêt à rester là. Hein. Ah ça oui. Oui, je suis vraiment choyé là, d'avoir tout vous, les stations francophones, les amis de la 14, de la 16, de la 15, tout partout. Même, tu vois, j'ai fait la centrale hier, du village, Rigal, tout ça. Tu m'étonnes, c'est clair, hein. Ah oui, et puis là, c'est vrai que là, ça dure, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et puis, chapeau pour tes vidéos, hein. Là, je te tire mon chapeau, là, tu fais vraiment de super belles vidéos et tout, ça, les gens sur YouTube, ça, partout, se régalent. Ah, au niveau de Facebook,
J'ai quelqu'un là sur mon compte, hein, quand j'ai partagé ta vidéo, j'ai un OM sur mon compte qui m'a dit qu'il n'arrivait pas à voir tes vidéos. Est-ce que des fois dans tes réglages Facebook, tu ne serais pas uniquement voir les partages uniquement de ta liste d'amis ou tu es en public? Oui, si tu regardes sur mon compte, là où j'ai partagé l'une de tes vidéos, pas celle d'aujourd'hui, mais pas celle d'hier, je veux dire, mais sur celle d'avant-hier, de tes vidéos, qui est en partage chez moi. J'ai un OM qui a marqué comme quoi il pouvait pas voir, il n'arrivait pas à voir tes vidéos. Est-ce que toi, au niveau de ton compte Facebook, tu es en public ou alors en privé? Non, 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 non. De toute façon, pour le groupe des tenants, tu ne pourras pas le mettre public. Tu peux que le mettre privé, mais pas public. Tant qu'il est public, tu peux rester public. Mais du moment que tu passes en privé, le retour en arrière n'est plus possible. Non, mais je veux dire au niveau de ton compte à toi, Gilles. Gilles, est ton nom. Voilà, est-ce que tu es en partage de fichiers publics ou alors privés? Ah non, 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 pour ça, il faudrait que je me logue sur ton compte. Et là, je me ferais de suite bloquer par Facebook. Forcément, c'est bien normal. Non, non, il faudrait que tu ailles dans tes réglages à toi, tes réglages perso à toi, Gilles. Voilà, et c'est là où tu pourrais voir si au niveau de tes publications, tu es juste pour ta liste d'amis ou alors en public. Je ne sais pas, je dois regarder, mais en temps normal, moi j'ai rien touché, mais ça arrive des fois que je vois jouer un peu sur les paramètres et puis que je peux faire des choses que je ne voulais pas toucher. L'Égritel ici, elle n'arrête pas de le dire, de ne pas toucher, mais on dirait que je m'en rends compte parfois. J'adore les boutons, hein. J'avais bien compris comme ça. Excellent. Je vais lui acheter une badine, justement à Nathalie, comme ça, dès qu'elle te verra toucher quelque chose qu'il faut pas, paf, elle pète sur les doigts. Ouais, c'est ça. Ouais. Nana, mais il y a des trucs qu'il ne faut pas toucher. Hein. Bon, ces boutons-là, si, il faut les toucher, il faut les user, il faut. Bon, bref, c'est ton problème. Oh, ça passe plus là. Ah si. Il est en train de prendre une note puis laisser la station filer en temps heures pour son appel. Puis avec ta permission, Rémi, je ne sais pas si tu as entendu, Alain, 14 EcoFox Unité. Alain, ici le Québec Canada, Gilles le talent des talents. Le Sauveur Charlie 555 du Québec. J'ai une permission de micro, alors écoutez sur central. C'est que je n'ai pas entendu. Ouais, c'est le Téco Francis. 14 EcoFox Unité. Alain. Si t'as le courage d'écouter jusque-là, Gilles.
du coup, pour tes vidéos, je m'embête plus. Je me suis préparé un brouillon qu'à chaque fois que je réutilise. Et je garde toujours un brouillon de côté. Ce qui fait que j'ai tout de près, on va dire, j'ai un package de près. J'ai plus qu'à insérer tes vidéos, redimensionner les vidéos, faire mes mises un petit peu dessus, puis en avant roule. Mais du coup, là, aujourd'hui, j'ai fait la même chose pour moi. Voilà. Donc, tous mes débuts de vidéo, ils sont presque prêts, parce qu'à chaque fois, je ne sais pas quelle image de fin je vais mettre. Ça, mais pour tout le reste... Enfin bon, bref, c'est des brouillons que j'aurais dû me faire depuis le début, ça. Je ne perdrai pas de temps comme ça à chaque fois. Enfin bon, tard que jamais. Non, je l'entends pas, ou juste à peine chuchoter. Ouais, t'as chuté pour Patrick. J'avais Alain tantôt 14, EcoForce unité. Il est sorti aussi. Rémi, est-ce que t'entends des stations de ton côté? Je vais faire un petit blanc de mon côté. Rémi, tu retournes le micro, mon ami. Eh ben non, justement, j'ai rien de mon côté, là. J'ai que dalle, j'entends que toi. Par contre, de mon côté, là, je vais quand même arrêter les vidéos, parce que, à moi la peur, je sais pas combien de kilomètres elle va faire, celle-là. Le problème, c'est que entre mes vidéos et les tiennes, mes vidéos, en étant en résolution minimum, elles sont deux fois plus lourdes que les tiennes. Donc, après, à travailler, c'est du poids lourd, quoi. Alors que toi, même la vidéo de 4 heures, là, ou 4h30, je sais plus, là, le dernier coup, 4h30, je crois, je sais plus. Bon, ça s'est fait tout seul, moi, là, au niveau du montage. Alors, je vais arrêter de mon côté, parce que là, ça craint, là, au niveau vidéo. Hachi! Alors justement, tiens, à propos de travail là-dessus, bon, pour toi, t'as vu, je m'embête plus, je me suis préparé un brouillon que je réutilise à chaque fois. Donc j'ai plus qu'à insérer les vidéos, redimensionner ça, et puis en avant roule, ça va tout seul, quoi. Ou à moins que je m'amuse un petit peu dessus. Et bien du coup, ce matin, j'ai fait la même chose pour moi. Je me suis préparé en grande partie tous mes débuts de vidéo, ceci, cela. Donc là, j'ai plus qu'à trouver maintenant une image qui va bien avec, foutre les vidéos dedans, redimensionner, et puis pareil, en avant-roule. Donc là, pour le coup, ça va me gagner du temps, là. Parce que là, en ce moment, côté temps, ça craint un petit peu, quoi. Ah, chi. Ok, donc là, je vais tout de suite couper ma vidéo, là. Dès que je relâche le micro, que je t'ai entendu parler, paf, je couperai aussitôt après, quoi. Oh oui, monsieur. En plus, ouais, bon, ça tombe bien parce que ce soir je dois me décaler. Hein, tes vidéos, ben, je les récupérerai. Eh bien, demain midi pour moi, quoi. Puisque 4h du matin, pour moi, ça sera dodo. Donc, 4h. Ah ben, ça fera 10h pour toi. Donc, tu seras encore en plein QSO. Ouais, bon, ben, c'est pas grave, je verrai ça demain midi pour récolter, pour ramasser tes vidéos avec tes longues listes de contacts du jour. Eh, pas encore, il faut que je l'arrête. Pourquoi? Tu veux me dire un truc hors caméra? Non. Moi, j'ai rien à casser. Si j'ai quelque chose que vous cassez,
comment l'envoyer. Bon, déjà, c'est déjà pas mal. Quoi. Bon, allez, je... alors, les 73-51 tous, pour la vidéo, je dis ça pour la vidéo, 14 km, 33-01, en QSO journalier avec 9 Bravo Charlie 555, ainsi que toutes les autres stations du groupe des Tannants et hors groupe, bien entendu, qui sont tous les bienvenus sur la fréquence 27-625. Voilà, ça c'est pour clôturer la vidéo. Ha 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 ha.